trop tard. Écoutez, n'est-ce qu'un faux bruit? L'un de ces sales ragots. J'ai appris hier une des pratiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines. Les preux de la liqueur séminaire ou du sperme. Est-il trop tard? Est-il trop tôt? Est-il trop tard? Est-il trop tôt? Est-ce trop tard ou bien trop tôt? Pour en finir, Monsieur Artaud. Car, de plus en plus, les Américains mangent feu! Spermato-industriel. Non pas brigué. Spermato. Et des soldats industriels. Ils veulent à toute force, par tous les moyens possibles, faire et fabriquer des soldats. Crève, c'est écrit dans le ciel. Tu, cet avatar superficiel. Il faut produire, il faut remplacer la nature. Dieu du hasard, officiel. Plus de fruits, du tout, plus d'art, plus de légumes, pour rien, plus de plomb par ma pharmaceutique ou non, et par conséquent, plus d'aliments. Et des produits de synthèse à satiété. Du tout, rien. Donc, c'est un peu. Est-il trop tard? Est-il trop tôt? Est-il trop tard? Est-il trop tôt? Fait-il trop tard? Fait-il trop tôt? En finir, Monsieur Artaud. Et la guerre, n'est-ce pas? Pour défendre le fusillage insensé. Car nous avons plus d'un ennemi, mon fils. Nous, les capitalistes. Il faut les soldats, les armées, les avions, les cuirassés. Tout ça est très bien. Tout ou rien. Est-il trop tôt, est-il trop tard? Pour en finir, j'aime mieux. Le meilleur qui tue le soleil pour installer au royaume de la nuit noire et qui crève la courroie des espaces afin que les espaces de l'espace ne puissent plus jamais se rencontrer ni se croiser. Ainsi, vous allez entendre la danse du Totoguri.